Il s'agit d'une époque où la magie a plus de pouvoir que la science et où seuls ceux qui contrôlent la magie arrivent à contrôler leur destinée. C'est le temps des visionnaires. Chasse au lion. Ainsi, vous êtes venu me voir pour que soient rechargées vos bannières de pouvoir. Eh bien, s'il s'agit à nouveau d'une requête... Non, non, il ne s'agit pas à nouveau d'une requête. Vous nous tenez à votre merci. Vous voulez que nous nous soumettions, pas cette fois. Gardez votre pouvoir. Nous demanderons une assistance magique à quelqu'un d'autre. Ils reviendront. Qui ose me déranger dans ma caverne? Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Je suis Darkstorm et je suis à la recherche de l'enchanteresse Escador. Enchanteresse? Disons plutôt sorcière. Pourquoi êtes-vous ici? Je ne suis pas facile à trouver, mon nom est peu connu. Vengeance. Le désir de vengeance m'a conduit vers vous. Je veux me venger du dénommé Léoric. J'ai étudié de nombreux livres en espérant y trouver un maléfice ou une arme à utiliser contre lui. Dans les plus anciens de ces livres, votre nom est cité. Il y est dit que vous disposez de maléfices puissants. Cela fait plaisir de ne pas être oublié après 10 millénaires. Dites-moi plus et je verrai ce que je peux faire. Le maléfice du poison de Kessedria. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Ce Léoric me semble trop bon, ce n'est pas vraisemblable. Et c'est bien là que doit se trouver son talon d'Achille. C'est un chevalier du spectre, n'est-ce pas? Voilà un maléfice qui permet de maintenir un chevalier du spectre sous sa forme animale. S'il ne rompt pas le maléfice, avant 3 couchers du soleil, il restera sous sa forme animale à tout jamais. À vrai dire, j'espérais quelque chose de plus dévastateur. Ce sera suffisamment dévastateur, Darkstorm. Il faudra par contre faire preuve de courage pour l'approcher suffisamment pour qu'il prenne la potion. Ne mets pas mon courage en doute, vieille femme. Hein? Ce n'est pas ton courage que je mets en doute. C'est plutôt ton intelligence, Darkstorm. Maintenant que tu as la potion, de quelle manière comptes-tu t'en servir au maître adoré? Léoric est trop malin pour tomber dans un piège que je lui tendrai. Mais il pourrait tomber dans un piège tendu par quelqu'un d'autre. Fais un vœu à la tombée de la nuit. Et tu t'endormiras dans l'heure qui suit. Oh, père, je déteste toute cette magie. La magie est si diabolique. Ne t'inquiète pas, ma fille. Nous sommes tranquilles chez nous. Oh, mais qu'est-ce que c'était? Oh, je ne sais pas, mais j'espère ne plus jamais le revoir. Un plan remarquable, maître adoré, un plan remarquable. Oui, mais fonctionnera-t-il? Ah, bien sûr qu'il fonctionnera. C'est moi qui l'ai élaboré, non? C'est bien ce qui m'inquiète. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Non, rien. Oui, mais bien sûr, il fonctionnera. Darkstorm a tout remarquablement mis au point. Voilà, rien de plus facile. Ce ne sont que des paysans. Je suis déjà certain de ce qu'ils vont me répondre. Oh, comment nous défendre contre cette créature magique? Nous ne sommes que des paysans. Nous ignorons tout des monstres. Alors, il faut que nous trouvions quelqu'un qui connaisse leur façon d'être. Notre terre est à côté de Valarak. Il suffit de demander à Léoric de nous débarrasser de ce monstre. Léoric, nous avons besoin de votre aide. Une bête magique ravage notre village. Et comment sais-tu qu'elle est magique? Oh, de ma vie, je n'avais vu un animal semblable.
Il faut donc qu'il soit magique. Il est diabolique et repoussant. Il faut nous en débarrasser, Léorie. C'est peut-être parce que tu ne le comprends pas que tu le trouves aussi diabolique. Argent. Tout ce qui laisse les enfants sans nourriture et sans toit est diabolique. Nous savons à quel point vous respectez la justice, Léoric. Débarrassez-nous de ce monstre. Comment un chevalier refuserait-il de céder à la requête d'une aussi charmante jeune fille? Laissez-moi le temps de sceller mon cheval et je vous accompagne. Ouais, je le vois! Je le vois! Un de tes paysans a retrouvé le monstre. Restez ici, je m'en occupe. Léoric, soyez prudent. Ton plan fonctionne à merveille, Darsorb. Voilà Léoric qui approche. Attention, cette potion va nous permettre d'être à jamais débarrassés de lui. Voilà non, ce monstre. Partant. Rends-toi, Léoric. Nous sommes trop nombreux. Tu ne peux pas nous échapper. Allons, Léoric, ne me déçois pas. Vous l'avez attrapé? Nous le saurons dans un instant. Oh, quelque chose s'approche. Oh, c'est encore un monstre. Arrêtez-le! La potion d'Esquédor a produit son effet. Il ne peut plus redevenir humain. Attention, il revient! Vas-tu laisser Darkstorm tranquille? Mais qui êtes-vous? Vers où est parti le monstre? Par là. Mais nous chassons les monstres, nous aussi. Tiens, regarde. C'est là que se trouvent les potions qui nous aident à les chasser. Mais où est Léoric? J'en suis désolé, mais le monstre l'a dévoré, mon enfant. Oh! Oh! Oh non! Oh! Léoric est mort! Jurez de m'être fidèle et je vous mènerai à la victoire. Ne craignez pas le monstre. Ensemble, nous parviendrons à l'anéantir. Oui! Ne t'inquiète pas pour moi, père. Fletchel, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Non, je veux retourner à Valarak. Les amis du courageux Léoric doivent savoir qu'il est mort. Mort? 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 Oui, tué par le monstre. Et maintenant, avec votre permission, je retourne dans mon village. Il n'y a qu'une seule solution. Abattre le monstre et venger Léoric. Oui! Vive la lumière, régnez pour toujours! Nous n'aimons pas utiliser la magie, Darkstorm. Père, que se passe-t-il? Pourquoi ne reconstruit-on pas le village? Darkstorm dit qu'il nous faut des armes pour combattre le monstre. Il faut d'abord nous protéger contre les éléments, empêcher que les bébés et les enfants n'aient froid et faim. Je vais aller dire à Darkstorm ma façon de penser. Oh non, ma fille, Darkstorm ne souhaite que nous aider. Ne cherche pas à t'opposer à lui. Ne vous arrêtez pas. Comment espérez-vous combattre le monstre si vous agissez dans le désordre? Fille, va donc chercher derrière ces monolithes. Oh, chevalier, et si le monstre te cache dessous? Eh bien, appelle, et j'enverrai personnellement quelqu'un à ton secours. Oui, chevalier. Magie,
Protège-moi, que je ne cède pas au désarroi. Oh non! Oh! Oh, au secours! Oh! Oh! Oh, oh non! Oh! Oh! Oh non! Non, ne me mange pas, je t'en supplie! Oh, Léoric! C'est Léoric! Il est vivant! Oh! Oh non! On vous aurait ensorcelé et transformé en un monstre. Oh, Léoric, et nous qui vous croyions mort, Darkstorm nous a dit que vous aviez été tué. Il est derrière nous. Encerclez-le. Attendez de voir le goût du sang dans son regard diabolique, et là, frappez-le. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Il faut nous cacher en attendant que je prévienne mon père et ses amis. Le voilà. Attrapez-le. Fletcher, sauve-toi, nous allons abattre le monstre. Père, non. Écoute-moi, écoutez-moi tous. Abattez-le. Trois ans. Non, c'est Léoric. Léoric. Oh non, arrêtez. Rattrapez-le. Non, attendez. Attendez, mais vous ne comprenez pas. Arrête, Léoric. Tout sera fini dans une minute. Poursuivez-le. On ne peut pas monter sur la colline, c'est trop abrupt. Alors, faites le tour. Dépêchez-vous. C'est le dernier de nos pièges. Il semble qu'on ait attrapé quelque chose. Une proie ne peut m'échapper. Mettez en route le cycle lancier et sortez-le d'ici. Maintenant que nous l'avons, qu'allons-nous en faire? Qu'allons-nous en faire? Savoir ce que nous allons en faire. Venger la mort de Léoric et détruire ce démon. Oh, c'est... Mais il est tout rouge. Oh, vous ne semblez pas surpris qu'il ait la forme d'un lion? Eh bien non, pas vraiment. Nous utilisons tous la magie. Ah, oh, comment? Vous utilisez la magie? Mais alors ne vous approchez pas de moi. Vous êtes des démons. Si Léoric était un démon, aurait-il volontairement proposé de vous aider? Nous ne sommes pas de stupides paysans superstitieux qui se fâchent dès qu'ils ne comprennent plus rien à rien. Et alors, nous te croyons mort, voilà. Allez, ça suffit. Léoric, reprends ta forme humaine. Il ne peut pas. Il a été ensorcelé. Je devine par qui. Ça ne peut venir que de Darkstorm. Consultons le maître de la connaissance. Il nous dira comment guérir Léoric. Plus rapide que le vent, plus vif que la lumière, transporte-moi à la vitesse de l'éclair. Ars, sait-il qu'il existe plus de 500 différentes sortes de lions sur Prismos? Bien sûr, maître de la connaissance, mais nous voulons savoir comment guérir Léoric. Il a été ensorcelé et ne parvient pas à reprendre sa forme humaine. Un chevalier du spectre qu'on réduit à sa forme animale inhabituelle. Tout à fait inhabituelle. Si mes souvenirs sont exacts, seul Esquelor connaît de tels sortilèges et les potions qui les accompagnent. Vous la trouverez dans une caverne à 7 lieues derrière le cap de la terreur, mais faites vite, lorsque le soleil se sera couché 3 fois à l'horizon. Léoric gardera sa forme animale à tout jamais. À 7 lieues derrière le cap de la terreur. Absolument. Je peux m'y rendre facilement. Alors cesse de parler et va-t'en. Nous restons pour protéger Léoric. Ah. Soleil et pluie, servez-moi d'escorte. Que le vent jusque là-bas m'emporte. Qui ose pénétrer dans mon domaine sans y être ni annoncé, ni invité, ni souhaité?
ne le prends pas sur ce ton, vieille sorcière. Tu as ensorcelé mon ami Léoric. Léoric ? Léoric, je me souviens pas de ce... Oh, mais oui, bien sûr. Alors, ma potion a produit son effet. La vieille sorcière connaît encore bien son métier. Eh oui. Mes félicitations. Mais maintenant, il me faut l'antidote pour qu'il retrouve sa forme humaine. Je ne peux pas faire ça, jeune homme. Ni pourquoi, vous n'avez pas d'antidote ? Oh, bien sûr que si, j'en ai un. Seulement, je ne te le donnerai pas. Quand les gens viennent me trouver, ils doivent savoir que mes sortilèges sont éternels. Je ne vais pas détruire ce que ma magie a construit. Jeune homme, je te conseille de cesser de bouger. Je risque de finir par tout détruire chez moi. Vous allez m'écouter. Vos petits jeux ne m'amusent pas, vieille sorcière. Donnez-moi ce que je suis venue chercher, sinon... Cet antidote, mais il fallait le dire tout de suite, jeune homme. Eh bien... Il est prêt, je vais te le mettre dans une bouteille. N'oublie pas, il faut l'asperger avec ce liquide avant le dernier coucher du soleil. Sinon, il restera un lion à tout jamais. Allons, dépêche-toi. Mais puisque tu as utilisé ta bannière du pouvoir pour venir jusqu'ici, tu vas devoir repartir à pied. Eh bien alors, regarde. Le second coucher de soleil, qu'est-ce que nous allons faire ? Attendre Witherquick, il viendra. Mais si jamais il... Il viendra. Voilà la créature. Oh, et voilà Fletchen. Mais qui sont ces hommes à côté de la bête ? Ça doit être les serviteurs du monstre. Viens, allons prévenir Glaring et les autres. Nous avons déjà cherché partout dans la plaine. Nous allons maintenant fouiller les collines. Maître, le soir tombe. Nous pourrions peut-être chercher un refuge. Oh, mais bien sûr, pourquoi pas. Nous pourrions aussi laisser le monstre en liberté, qu'il commette ses crimes tranquillement. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. À moins de 200 mètres d'ici, caché dans un ravin. Il y a la bête et Fletchen, et au moins 3 magiciens qui aident la bête. Ah, Darkstorm, on dirait que les chevaliers du spectre ont déjoué notre complot. Peu importe. Dans moins d'une demi-heure, le dernier soleil se sera couché et Léoric sera condamné à tout jamais. Paysans, écoutez-moi. Une grande victoire est à votre portée. Vous avez une chance non seulement de détruire la bête, mais aussi les magiciens diaboliques qui la servent. Êtes-vous donc dans mon camp ? Oui ! Alors, en avant ! Maître Darkstorm, ma fille est avec la bête. Sûrement en otage, mais alors... Tu crains pour elle ? Rassure-toi, nous te la ramènerons intacte. Oh, merci, Maître Darkstorm. Fais en sorte que la jeune fille périsse aussi. Je ne veux pas laisser de témoins. Le soleil est presque à l'horizon. Mais où est Witherquick ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Nous sommes encerclés ! Voilà le monstre et ses serviteurs ! Détruisez-les ! Non ! Ne le croyez pas! Il ne faut pas lui obéir! Ils ont dû ensorceler Fletchen! Ne croyez pas ces mensonges! Attaquez-les! Arrêtez! Je vous en prie, arrêtez! Vous ne pouvez pas! Non, non! Antule! Antule! Non, Rochelle! Rochelle! Attention! Retournez au combat! Attention, derrière! Il a l'antidote! Abattez-le! Père, arrête! En réalité, c'est... Oh, mais que s'est-il passé? Oh,
Oh, c'est affreux. Regardez, c'était l'héroïque. C'était arrêtez de vous battre. Il n'y a pas de monstre. Ce n'était qu'une ruse. Son auteur est Darkstorm. Il vous a dupé. Chevalier des ténèbres, repartez à l'attaque. Abattez les villageois, détruisez tout. Oh, c'est fou. Au soleil, Zaligué, verse ta lumière. Que ta flèche terrasse mon adversaire. Détruisez-les! Je le voudrais, maître, mais les armes ne fonctionnent plus! Alors, mettons-nous en lieu sûr, vite! Arrêtez! On va obéir à la requête de Merklin, Darkstorm. Taisez-vous! Vous êtes trop bon, Léoric. Alors que nous avons failli vous tuer par peur de la magie, vous et vos chevaliers êtes revenus nous aider. Venez pardonner. Je vous pardonne volontiers, Glaring. Mais ne soyez plus aussi intolérant à l'égard de la magie. Ce n'est pas tant la magie. Ce sont ceux qui l'utilisent. Et selon qu'ils l'utilisent pour faire le bien ou pour faire le mal. Eh bien, lorsque nous aurons fini ici, nous réparerons le pont. Glaring. Tu as l'air dans la lune. Oui, j'en connais deux qui ont déjà commencé à le réparer, ce pont.